predisposto un piano d'emergenza per limitare il ritardo soltanto alla settimana prossima. In pratica ci sarà una riduzione del 29% per l'Italia, riduzioni anche più grandi per alcuni paesi dell'Unione, ad esempio il Belgio. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Excusez nous du retard. Alors, cet après-midi, nous avons décidé de vous présenter notre premier cours de langue et de culture italienne, disons de culture et langue italienne. Alors, c'est une initiative d'office étudiant. C'est une initiative entièrement gratuite, hein, qui consiste tout simplement à partager avec vous notre engagement pour comment dirais-je, l'office étudiant naît avec l'objectif de relier les opportunités qu'il y a dans le monde académique, hein, de relier entre l'offre et la demande. La demande, c'est la panoplie d'étudiants qui souhaitent obtenir une bourse d'études, qui souhaitent avoir la chance de pouvoir poursuivre des études à l'étranger, hein, surtout pour se former. Et de l'autre côté, il y a naturellement les universités qui offrent des opportunités d'études. Ce qu'il faudrait que vous sachiez, c'est qu'il y a de réelles opportunités de bourses d'études qui existent dans le monde. Le problème, c'est qu'il y a malheureusement trop d'escrocs qui fait que on ne voit que les escrocs. Et par conséquent, les vraies opportunités, difficilement, ceux qui en ont réellement besoin, ont du mal à atteindre les universités parce que, d'une part, pour le manque d'informations et d'autre part, parce que, faut le dire aussi, hein, beaucoup font peu d'efforts pour aller chercher ces informations, c'est-à-dire en allant sur les sites internet de ces universités-là, mais surtout en parlant aussi les langues. Parce que si je parle italien, donc je peux facilement aller sur le site de l'université de Torino, hein, pour le dire, et ensuite degli studi di Torino, et donc Université d'État, où je peux aller trouver ces informations, parce que les universités, quand elles ont des bourses internationales qu'elles offrent aux étudiants étrangers, ces bourses-là sont toujours et toujours publiées sur leur site internet, ou à défaut sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, ou encore sur le site du ministère des Affaires étrangères, mais aussi sur les sites des ambassades des pays. Donc l'ambassade d'Italie à Kinshasa, à Brazzaville, à Douala, ou je ne sais d'où vous venez, hein, par exemple, il est aisé de trouver sur le portail du site interne, le portail de l'ambassade d'Italie, ces informations-là. Donc cela dit, nous allons passer à notre mission de cet après-midi. Vous excusez-moi, j'ai une heure de décalage horaire. Hein. C'est vrai que je commence avec environ 20 minutes de retard, mais je vais aller rapide. Hein. Je ne veux pas rester. Donc j'ai perdu 20 minutes. Pour moi, c'est des 20 minutes perdues. Donc je considère que moi, j'ai commencé à 16h et je termine à 17h. Forcément, chez vous, il est 17h ou 18h, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Donc du coup, quand j'ai dit 17h, 16h-17h, je n'ai pas tenu compte de votre décalage horaire. En ce moment, moi, j'ai une heure de décalage horaire, mais je ne suis pas naturellement... bref, allons-y au donc, ouais, comme on dit, allons-y droit au but. Alors, l'apprentissage d'une langue étrangère peut souvent s'avérer j'ai dit un combat, hein, je dis ici un combat intellectuel tenace qui nécessite le plus souvent résistance et esprit d'abnégation. C'est-à-dire que apprendre une langue étrangère, on a souvent ces idées préconçues selon lesquelles on est trop vieux pour apprendre,
à notre âge, on ne peut plus apprendre ou c'est compliqué. Non, pour tous les âges, peu importe l'âge qu'on a, la langue, apprendre une nouvelle langue représente toujours un effort intellectuel énorme. Ce qui fait défaut, la plupart du temps, c'est la stratégie et la technique pour pouvoir appréhender, dépasser les difficultés. Moi, par exemple, je parle certes italien, espagnol, mais la langue anglaise me semble toujours être. Ce n'est pas difficile pour autant, mais c'est une langue que j'ai peut-être, je veux dire, que j'ai du mal à maîtriser, peut-être parce que je visite moins les pays anglophones, mais aussi parce que je n'ai pas suffisamment développé une stratégie personnelle pour pouvoir appréhender et avoir la maîtrise de la langue. Donc je pense que c'est surtout un bloc personnel, ce n'est pas la langue qui est difficile, c'est surtout nous-mêmes. Donc voilà pourquoi je dis ici, il faut un combat intellectuel tenace qui nécessite souvent une résistance. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on soit fort pour pouvoir résister à nos faiblesses, personnelles. Peut-être qu'on se dit, non, je n'ai pas l'âge pour ça, donc ben, j'abandonne. Non, au contraire, il faut se dire, je le ferai, ça ira, ce n'est pas grave. Il faut toujours se motiver soi-même, parce que tout dépend de nous, en effet. Et donc, ce qui entraîne par ensuite un esprit d'abnégation, c'est-à-dire un esprit qui nous pousse à aller au-delà de nos capacités visuelles. On a l'impression de n'être pas en mesure, mais au plus profond de nous, nous avons souvent une force telle que, en effet, on peut on peut se dépasser pour atteindre cet objectif. Donc, à travers ce cours de culture et langue italienne, nous nous adressons à un public ouvert, c'est-à-dire à tout le monde, peu importe notre niveau de langue italienne, ce n'est pas important pour nous. Le plus important, c'est que vous soyez ouvert, vous soyez disposé à commencer peut-être de zéro pour atteindre un niveau meilleur. Donc, nous allons également nous intéresser progressivement comme je le dis ici, à la culture italienne comme telle, c'est-à-dire nous allons de temps en temps vous faire part des informations sur le pays, parce que c'est bien d'apprendre à parler italien, mais je pense qu'il est aussi intéressant de connaître l'Italie, peut-être pas l'histoire, mais de connaître quelques éléments culturels. Nous, office étudiant, nous sommes avant tout une entreprise d'édition, c'est-à-dire l'édition englobe un tas de choses, c'est-à-dire nous nous intéressons à la publication d'informations. Nous avons notre site internet, nous publions beaucoup d'informations, notamment sur les opportunités de bourse d'études, les opportunités d'études à l'étranger, hein, certaines informations sur notamment le classement des universités en Afrique, mais ceci nous intéressons aussi globalement aussi à l'édition comme telle, c'est-à-dire nous sommes en mesure, dans les mois qui viendront, de pouvoir éditer et publier des ouvrages, mais nous nous intéresserons essentiellement au monde académique. Ça signifie que nous allons notamment ouvrir une rubrique sur notre site internet où tous ceux qui ont des travaux scientifiques et qui n'ont pas les moyens de les publier, nous assumerons ce rôle-là, nous publierons ces ouvrages en leur nom, en se disant nous allons les publier gratuitement. Et il y aura notamment un contrat entre nous et puis nous évaluerons les conditions éventuelles naturellement, rien n'est gratuit. La publication peut être gratuite, mais en matière des droits d'auteur, il y a une répartition qui est faite par la suite. Quoique notre objectif le plus cher, c'est celui de participer à la promotion de la science africaine. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ont certes publié des mémoires de fin d'études, mais qui n'ont malheureusement pas l'opportunité de le publier en ligne. Et nous avons cette opportunité-là de pouvoir promouvoir la science africaine à travers la publication des ouvrages écrits
par les chercheurs, écrit par de jeunes étudiants africains, dans l'ouvrage notamment, est une potentialité, a une potentialité scientifique. Je ne parle pas de copier-coller. Ici, c'est des copier-coller, ça se sait tout de suite, mais aussi grâce à des outils qu'on a à disposition, nous pourrions très facilement savoir que cet ouvrage ou le travail qui a été soumis à notre maison d'édition est un travail qui ne respecte pas la propriété intellectuelle. Donc, c'est un travail falsifié, et donc nous ne pourrions jamais publier un tel ouvrage. Donc, pour terminer cette introduction, chaque semaine, pour le moment, tous les samedis, nous allons débuter notre cours de culture et langue italienne par une mention à la culture du pays, de l'Italie, et ensuite nous entamerons notre partie liée à la langue. Alors, la partie culturelle. Alors, si vous avez l'opportunité d'arriver en Italie comme touriste, ou bien si vous arrivez en Italie comme étudiant, peu importe, de toute façon, le fait que, peu importe comment vous arrivez en Italie, il y a essentiellement, il y a beaucoup d'endroits à visiter en Italie, mais les principaux monuments qu'il est important de visiter, il y a notamment le Colisée qui est à Rome, la fontaine de Trevi qui est à Rome, le Ponte Vecchio, où je fais la traduction, le vieux pont, hein, à Florence. La tour penchée de Pise, il y a le Domo, c'est une forme de cathédrale, hein, c'est une église catholique à Milan, la basilique de San Marco à Venise, la basilique di San Pietro à Rome, c'est-à-dire au Vatican, la cathédrale de Montréal, c'est une commune de Palerme qui est en Sicile, et la Arena à Vérone. Enfin, il y a le castel de l'Ovo, un château, et puis le castel del Monte, qui est situé à Adriana, c'est dans la Puglia. La Puglia, c'est une région frontalière à Naples, disons, à la Campania. La Campania, c'est la région dans laquelle est située la ville de Naples. Et puis, nous aborderons en deuxième lieu l'organisation territoriale de l'Italie d'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit organisation contemporaine territoriale de l'Italie. Mais d'abord, restons sur les 10 principaux monuments d'Italie. Je ne veux pas faire ici, je veux pas faire ici une introduction historique. Je vais vous simplement remonter les monuments en question. Et puis, ici, par exemple, j'ai écrit Colisée, c'est en français. Mais en italien, vous verrez comment ce monument s'appelle. Donc, excusez-moi, mais cette fois-ci, j'ai préféré ne pas faire une introduction historique, parce que compte tenu du temps que j'ai à disposition, je suis en retard, et prochainement, naturellement, on reviendra peut-être sur chaque monument. Alors, il Colosseo, c'est un monument que l'on retrouve à Rome, hein, très facilement lorsque on arrive à Rome, si on vient à Rome, notamment la station de Termini est une des stations la principale station de Rome. Et de là, on peut facilement arriver au Colosseo en prenant la métro B. Et la métro B, c'est 2 arrêts après, c'est le Colosseo, il Colosseo. Donc, voilà l'un des monuments les plus visités de Rome. Et ensuite, on a la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi, vous le verrez ici, c'est ce bâtiment-ci. Et puis ici, c'est une fontaine où les gens viennent tout autour prendre les photos et puis jeter des pièces dans l'eau, hein, de l'argent. Mais cet argent est ensuite récupéré par la commune pour financer, voilà, et utiliser, hein, c'est considéré comme une donation.
Donc, selon la petite histoire, si vous jetez une pièce dans la fontaine de Trevi, hein, la Fontana di Trevi, vous aurez la chance ou bien, voilà, etc. Et puis, il y a le Il Ponte Vecchio à Florence. Voilà. Ce pont-ci, tel que vous voyez, c'est un pont habité. Hein. Il a été structuré il y a plusieurs siècles. Et ce qui est attirant, hein, c'est que ce pont est notamment construit sur de l'eau, sur un cours d'eau. Et au-dessus, en même temps, il y a le pont, en même temps, il y a les appartements, etc. Donc, voilà, on l'appelle cela Il Ponte Vecchio pour les étudiants qui viendront peut-être à Firenze, Florence, pour des études. Ils pourront visiter ce pont. Il est extraordinaire. Moi, je l'ai visité une fois, il y a 6 ans de cela. Et enfin, ensuite, plutôt, il y a la Torre di Pisa. La Torre di Pisa, c'est une tour penchée, comme on dit la tour penchée de Pise. C'est aussi un monument visité d'Italie. Et Pise est située la même région que Florence. Hein, c'est à quelques kilomètres. Et voilà. Puis il y a Il Duomo. Il Duomo, c'est voilà, c'est cette cathédrale-là qui est située à Milan. Milan, et c'est très facile d'accès parce qu'il y a tout juste à côté le métro ici. Et donc, c'est une place très prisée par les touristes. Enfin, ensuite, il y a la basilica di San Marco à Venise, qui est elle aussi très visée, prisée par les touristes. Et voilà. On a la basilique de Saint-Pierre. Basilique de Saint-Pierre. Le pape, quand il fait sa prière, il est quelque part ici, dans ces appartements-là. Et ça, c'est la place de Saint-Pierre où, généralement, avant le Covid, naturellement, quand le pape, tous les dimanches, fait sa messe, c'est ici que les gens s'entassent pour pouvoir écouter parler le pape. Donc ici, on est dans le Vatican. Le Vatican, c'est un petit pays, hein, dans l'Italie. Et voilà. Puis on a la cathédrale, Cathédrale di Santa Maria Nuova di Monreale, qui est située à Palerme, Palerme, c'est en Sicile. Monreale, c'est une commune de Palerme. Donc c'est un petit arrondissement situé dans la à Palerme en Sicile. Puis il y a l'arène. L'arène, c'est un peu comme le Colisée. Mais l'avantage, c'est que l'arène a été restructurée, et puis il est souvent utilisé pour des spectacles, des concerts. Contrairement au Colisée, qui n'est pas en l'état d'être utilisé pour des activités culturelles, il est tout simplement dédié au tourisme, à la visite, parce que c'est un bâtiment pour le Colosseo, il Colosseo à Rome, qui est un peu vieux et qui. Il y a des risques d'écroulement, donc disons, c'est peut-être exagéré de ma part de parler de risque d'écroulement, mais c'est un bâtiment qui n'est pas utilisé. En revanche, la Arena à Verona est souvent utilisée pour des spectacles culturels. Il y a le Castello dell'Ovo à Naples, c'est un château qui est aussi intéressant. Si vous passez à Naples, Naples n'est pas trop loin de Rome, c'est environ à 2 h 50 de Rome par train. Régional ou par train rapide, TGV par exemple, c'est à moins d'1 heure, et par bus, c'est aussi environ 2 heures. En voiture, ça fait aussi quasiment 1 heure de trajet ou 45 minutes. Enfin, on a le Castel del Monte en Adriana, c'est un château mystérieux qui a été construit par le roi Frédéric II, si je ne me trompe pas. Et qui est une forme qui, voilà, on peut le voir, c'est une forme de bâtisse de protection. Voilà. Donc, si vous passez en Puglia, à Puglia, c'est-à-dire dans cette région proche de Naples, vous pourriez avoir l'opportunité pour vous. Je vous conseillerais d'aller le visiter. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais si vous avez l'opportunité de le faire, en tout cas, allez-y. Alors, et en terminer,
tous ces 10, 11 monuments, j'ai écrit 10 ans. En fait, j'avais mis 10, mais j'avais oublié la basilique de Saint-Pierre, donc du coup, je l'ai acheté. Donc, moi, je vous conseillerais, en tout cas, quand vous êtes, si vous êtes de passage en Italie, de faire un effort de visiter certains de ces. De ces monuments selon la ville de votre lieu de tourisme ou de passage. Alors à présent, nous allons nous intéresser à l'organisation contemporaine territoriale de l'Italie. Alors, l'Italie est un État divisé administrativement en 20 régions. Et parmi ces 20 régions, il y a 15 régions qui ont un statut normal. Et cinq régions qui sont considérées comme des régions autonomes. C'est-à-dire un peu plus de liberté administrative. Et ils peuvent si vous voulez, c'est un peu comme des États fédérés. Ce sont des régions qui ont un peu ce statut administratif un peu indépendant, qui peuvent prendre certaines initiatives qui n'ont valeur que dans leur propre territoire. Mais ce n'est pas pour autant que c'est des pays. C'est des pays. Ce n'est pas des pays. Hein. Toujours des régions, mais qui ont un peu plus de droits ou de libertés administratives ou légales. Et c'est constitutionnellement établi dans la Constitution italienne de 1948. Et puis, il y a, à l'intérieur de chaque région, les régions sont divisées en provinces. Et il y a 110 provinces en Italie. Notamment, 107 qui ont un statut normal, qui sont des provinces normales, et puis il y a deux provinces qui sont autonomes. Et puis il y a une province statistique. Puis il y a environ 8101 communes, mais aujourd'hui avec l'évolution, avec les agrandissements, pour des raisons démographiques, il y a des villes qui naissent encore, parce que pour devenir une ville, en Italie, il faut environ 50 000 habitants. Disons, je préfère ne pas. Je le dis entre parenthèses. Hein. Il faut un certain nombre d'habitants pour devenir une ville. Donc les villes naissent régulièrement en Italie sans problème. Alors, je vais aller sur la carte que j'ai prévue. Voilà. Sur cette carte, on voit tranquillement, ça c'est la carte d'Italie, ici on peut constater la répartition de chaque région. Donc on a ici toutes les régions italiennes. Par exemple, ici la région de Lazio, c'est la région où est située la ville de Rome. Et dans cette région, il y a par exemple la région de Lazio, située au milieu ici, couleur rose. Il y a par exemple les provinces de Rome, de Rieti, de Viterbo, de Latina et de Frosinone. Donc on a cinq provinces qui sont tous des provinces, qui sont des provinces au statut normal. Ils n'ont pas de caractère particulier. Par contre, un peu plus haut, dans la région de Trentino Alto Adige, il y a deux provinces qu'on appelle la province de Bolzano et la province de Trento, pardon, la province de Trento et la province de Bolzano. Ces deux provinces, dans la région Trentino Alto Adige, qui est une région autonome, ces deux provinces-là aussi sont autonomes. Ça signifie que c'est des provinces qui ont un peu plus de liberté administrative et légale par rapport à la province de Rome ou à la province de Rieti, qui est située dans Lazio. Et notamment, vous savez, la séparation, j'allais dire, l'autonomie accordée à certaines régions et à certaines provinces en Italie est souvent due est souvent basé sur l'aspect linguistique. Je prends l'exemple, par exemple, de la Valle d'Aoste, qui est tout simplement ici, tout au bout, à gauche,
vous allez constater que cette région, en réalité, fait frontalier à la France. Et en effet, dans cette région, il y a des francophones. C'est-à-dire, c'est une région bilingue où les gens parlent le français. Donc, pour préserver ce caractéristique, cette particularité-là, effectivement, il leur a été accordé constitutionnellement un peu plus de droits afin, par exemple, qu'il puisse y avoir des rues en français et voilà, la langue française est utilisée dans cette partie de l'Italie. Il y a aussi dans le Trento Alto Adige, là par exemple, cette région est frontalière à l'Autriche. Et l'Autriche et la Croatie, je crois. Et dans cette région, Trento Adige, c'est uniquement avec l'Autriche, il me semble. Alors dans cette région, naturellement, vous comprendrez que là-bas, l'allemand est la seconde langue. Et administrativement, par exemple, en Italie, les langues, les deux principes, les langues, disons, par rapport au nombre d'habitants, il y a des Italiens. La langue italienne est la première langue, mais la langue allemande est considérée pas comme la deuxième langue, mais par rapport au nombre d'habitants qu'il y a en Trentino Alto Adige, c'est quand même une deuxième langue, parce que il y a beaucoup d'habitants là-bas, par rapport dans la Valle d'Aosta, où il y a pas beaucoup de francophones. Disons, c'est pas une région, vous voyez, même la région de Valle d'Aosta, elle est un peu plus petite par rapport à la région de Trentino Alto Adige. Ce qui fait que la langue allemande, quand on va par exemple pour certains documents administratifs, notamment au niveau de l'agence d'assurance qui s'occupe des assurances de la sécurité sociale, par exemple, j'allais dire, il est possible d'imprimer sans la déclaration de revenus en allemand. Et donc voilà. Donc voilà pourquoi ces provinces-là sont souvent autonomes parce que on veut leur donner cette opportunité de s'autogérer eux-mêmes sur certains aspects, comme des aspects qui ne relèvent naturellement pas de la souveraineté nationale. Par exemple, ils n'ont pas des prérogatives en matière de militaire, non? Ou bien diplomatique. Ils n'ont pas de prérogatives là-dessus qui relèvent tout simplement de l'État italien. Mais pour des questions de est-ce qu'on va mettre une rue, on doit la nommer en allemand ou en italien, ça, c'est des questions internes. Et comme c'est des provinces ou des régions bilingues, on leur donne un peu plus cette ouverture législative ou administrative. Enfin, par exemple, dans la province de Friuli-Venezia, là aussi, il y a. Aussi à l'époque, si je ne me trompe pas, ce n'était pas, elle n'appartenait pas à l'Italie, je pense. Elle est devenue italienne. Bref, je veux pas aussi, parce que j'ai pas fait beaucoup de recherches sur ces aspects historiques-là. Donc, mais du moins retenez que Friuli Venezia Giulia, où il y a notamment la ville de Venise. Elle est une ville qui a aussi des aspects particuliers, pardon, qui fait que cette ville a aussi le caractère d'autonome. Pour la Sardaigne, par exemple, pour la Sicile aussi, il y a là des particularités, notamment en Sicile, je pense, qu'il y a une particularité liée à une population. Qui est d'origine albanaise. L'Albanie n'est pas trop loin de l'Italie, sous la mer Adriatique. Donc, ce qui fait que là aussi, il y a des particularités linguistiques qui fait que ce sont des villes, des départements autonomes, parce qu'il y a l'existence de communautés linguistiques. Donc, voilà pourquoi ces villes sont souvent, ces territoires sont autonomes. On leur donne cette possibilité de s'autogérer eux-mêmes, avec des limitations naturellement légales et administratives. Bon, terminer tout cet aspect politique, parce que nous avons évoqué de l'aspect culturel, avec les monuments notamment que nous avons cités plus haut. Et cette fois-ci, nous allons aborder la deuxième partie qui concerne la langue italienne. Alors, ici, il s'agira d'abord de vous faire part de l'alphabet, et puis de comment on prononce les lettres en italien. Et ensuite, nous ferons une petite lecture d'un petit test très réduit en italien que je ferai
deux fois. Comme ça, vous allez constater de vous-même la différence entre l'italien, hein, qui est la langue d'étude aujourd'hui, avec notamment le français pour les francophiles ou les francophones. Alors, l'alphabet italien comprend 21 lettres qui se lisent ainsi. Alors, le A va rester A. La lettre B va se lire bi, comme Bible, bi. Le C ne se lit pas C, ça se lit chi. Le D, ça se lit di. Le E se lit e. Le F se lit f. Le G se lit j. Le H se lit ak. Le I reste le I. Le L se lit le. Le M se lit mb. Le N se lit ne. Le O reste O. Le P reste pi. Ça se lit pi. Le Q se lit cou. Le R se lit R. Le S se lit SC. Le T se lit TI. Le U, OU. Le V, VOU. Ou bien VI, comme vous voulez. C'est à vous de le prononcer à votre manière. Donc, deux prononciations pour le V. Et enfin, il y a le Z qui se lit Zeta. Alors, les lettres J, vous avez constaté qu'il n'y a pas de J après le I. Et en Italie, le J, ça se lit I lunga. I lunga. Mais notez que les lettres J, K, W, X et Y ou Y n'existent pas, ne se trouvent pas dans l'orthographe, ne se trouvent pas dans la langue italienne. Ce sont naturellement, quand on les retrouve dans l'orthographe, des langues, des mots étrangers, comme dans le français, comme dans l'espagnol, mais ça n'existe pas dans la langue italienne. Donc, la langue italienne. L'alphabet italien ne comprend que 21 lettres. Mais si vous voyez par exemple des mots avec des lettres comme J, il faut savoir que le J se prononce ilunga. Non, pardon, excusez-moi. Ça se dit pas ilunga, parce qu'il ne faudrait pas que je vous fasse cette erreur. Alors, le i, c'est-à-dire le i, le j, ça se prononce avec un i lent, hein, qui est lent. C'est-à-dire, par exemple, le club de Juventus. Vous allez le lire comment? Juventus. En italien, on dit Juventus. 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 Donc, au lieu de le lire ju, on va le lire you. C'est-à-dire, le i est lent. On le prononce i. You, Juventus. Alors, le K, comme par exemple le caribou, non? Le caribou, par exemple, en italien, je ne dis pas le mot caribou, le K, ça se lira, c'est le K. Si vous voulez, par exemple, citer les lettres, comment on prononce le K en italien, vous allez dire K. Kappa, c'est le nom notamment de la grande marque italienne qui s'appelle Kappa, non? Et puis le W, ça se lit, c'est le doppia, vous doppio, hein? C'est deux fois vous, comme nous l'avons lu avec le V. En fait, le X, c'est XC, Y, c'est Y, c'est Y. Voilà, donc je refais le deuxième tour. Donc le A se lit A, le B, B, le C, Chi, le D, Di, le E, E. Le F, F, le G, G, le H, A, le I, le L, L, le M, M, le N, N, le O, le P, P, le Q, Q, le R, R, le S, C, le T, T, le U, le U, U, le V, vous, ou bien V, comme vous voulez, et le Z, Zeta. Alors, en matière de prononciation, alors notez que, comme je l'ai dit, que l'alphabet italien ne comprenait que 21 lettres. Par conséquent, les lettres J, K, W, X, Y ne font pas partie de l'alphabet italien. Donc, par exemple, si on doit prononcer
certains mots en italien. Comment va-t-on prononcer, par exemple, casa, casa ici? Casa, comment on va la prononcer? Puisque le C, nous avons dit, se prononçait K. Ça se prononçait plutôt chi, non? Nous avons dit à se prononcer chi. Nous avons dit ça se prononçait chi. Alors, quand on voit ça, quand on est francophone, on va lire sasa. On va lire sosa ici. Par contre, en italien, le C plus les voyelles A, O et U donnent le son K. Ce qui signifie, lorsqu'on voit ce mot CASA, on va lire casa, parce qu'il y a un C plus une lettre, plus une voyelle A. Et pareil ici, C plus la voyelle O, on lira COSA. Casa, COSA. Casa, donc la maison, COSA, c'est la chose. Alors, pour avoir le son CHI, lorsqu'on voit un mot italien, ou dans un mot italien, il y a un C plus la voyelle E ou I, on le lit CHI. Par exemple, ici, on lira SICILIA. Ça se lit pas SICILIA. On va lire CHI, CHI. Donc, C plus A, O, U se lit K. C plus E ou I, ça se lit CHI. Alors, pareil pour le G. Le G, G plus A ou U, ça se lit G. G. Enfin, ça ne va pas se lire, comme nous l'avons vu ici, ça ne va pas se lire G. Ah, ça se lit G. En revanche, pour avoir le G français, hein, francophone, il faudrait que le G soit accompagné, que le G italien soit accompagné de A, des voyelles A, O, U. Par exemple, ici, on a gala, gusto. Pareil, pour avoir le son G, ou lorsque vous voyez G accompagné de E ou de I, il faut lire G, giro, gente. Alors, un CH, lorsque vous voyez un mot qui s'écrit avec CH, ça se lit K. Alors, notez la particularité qu'il y a, comme on l'a dit sur la première ligne, hein, C plus A ou O ou U, ça se lit K. Mais CH aussi se lit K. Donc, Michelangelo. Donc, vous n'allez pas dire Michelangelo, vous allez lire Michel. Donc, toutes les fois que vous allez voir dans un mot italien CH, ne lisez pas CH, lisez K. Michelangelo. Alors, pareil pour les spaghettis. Nous, spaghettis, généralement, le spaghetti, nous connaissons les spaghettis. Nous savons écrire spaghetti, mais nous ne savons pas pourquoi nous prononçons spaghetti. En réalité, oui, nous prononçons spaghetti parce que G plus H en Italie se prononce G. Donc, naturellement, ici, nous dirons spaghetti. Mais si nous devons prononcer en français, nous dirons spaghetti. En général, le H là ne se prononcera pas, ça se dira spaghetti. Mais en italien, le G plus H, quand tu vois un mot, lorsque vous voyez un mot dans un mot italien où il y a GH qui se suit, ça se lit G, donc spaghetti. Alors, lorsqu'il y a, ici je lis, le I ne se prononce pas. Par exemple, il y a CI plus AOU, hein, c'est-à-dire C, lorsqu'on a CI, hein, CI plus la voyelle A, ou la voyelle O, ou la voyelle U, ça se lit CHE, CHE. Donc ici, par exemple, nous n'allons pas lire CHIAO, on va dire CHAO, on ne prononce pas le I. Comme par exemple, lorsqu'on va dire, on va citer le nom de la France, par exemple, la France en italien, c'est Francia. Tcha. C'est le tcha. Tcha. Le i n'existe pas. On va pas dire Francia. On va dire Francia.
le i disparaît. Alors, gi plus la voyelle a ou la voyelle o ou la voyelle u. Ça se lit j. Par exemple, ici pareil, donc le i ne se prononce pas. On va dire ici, on ne va pas lire Giovanni, on va dire Giovanni. Donc Giovanni. Giovanni. Le i disparaît. Alors, le gn, un mot hein, italien où on trouve le gn, ça se lit ni. Comme par exemple le nu en français, hein, comme on dit montagne. Pareil en italien, on dira montagna. Montagna. Nia. Alors, li, le li ici. Ça se lit li, comme Lille. Lille, la ville de Lille en France. Donc ici, comme ce mot, on va lire palia. On va pas lire palia. Non, on va lire palia. Comme dans la paille, comme dans paille. Paille pour, la, pour le mot français. Par exemple, molier. On dira molier. Molier. Enfin, CE plus les voyelles E ou I, on lira shelta. Che. Shelta. Shelta. Donc, vous allez pouvoir comprendre que le grand de la langue italienne, la grande phase importante, c'est la prononciation. Alors, lorsque vous allez maîtriser l'alphabet, que vous saurez comment que A se lit A, B se lit B, C se lit Chi, et que vous apprendrez aussi ces différenciations si, hein, par exemple C plus la voyelle A ou O se lit K, vous aurez plus facilement la facilité de prononcer, hein, de lire un test italien, comme je vais le lire tout de suite. Par exemple, ce test-ci, comment vais-je le lire? Alors, si j'étais français, 6 ans, étant francophone, hein, francophone, je vais lire ce test en francophone d'abord. Alors, si je commence la lecture, alors, si comme la fourrie et piano dit jante, chez, vie, 10, chez, non, c'est speranza, che, non, c'est futuro, voi, sapietelo, che, nul, momente, momento, in, suis, pensate, che, non, si, sia, speranza, et non, si, sia, futuro, allora, la speranza, es, met, dit, esister, il, futuro, es, met, dit, esister, et, des, peur, que, questo, motivo, que chez vous andate la furie. Por tate a far vedere, vedere, veder les vostres fache et dites-le à Kelly là, che il me lio devent encore venir. Ligabue compovolo 2.011. Oui, là je le lis en francophone. Je ne l'ai peut-être pas bien lu en francophone. Vous allez le lire peut-être différemment. Maintenant, je vais le lire en italien, avec la prononciation italienne, en respectant l'alphabet italien. Alors, je dirais si come la fuori è pieno di gente che vi dice che non c'è speranza, che non c'è futuro, voi sapete lo che nel momento in cui pensate che non ci sia speranza e non ci sia futuro, allora la speranza smette di esistere,
il futuro smette di esistere. Ed è per questo motivo che voi andate là fuori, portate a fare vedere le vostre facce e diteglielo a quelli là che in meglio deve ancora venire. Ligabue, Campovolo 2.011. Vous allez comprendre tout de suite qu'il y a une différence. Et la première, ma première lecture était catastrophique parce que vous n'avez rien compris. La deuxième, en revanche, même si vous ne comprenez peut-être pas grand-chose, mais vous comprenez qu'il y a là le respect de la prononciation. Je vais relire pour la dernière fois le test. Siccome là, fuori, è pieno di gente che vi dice che non c'è speranza, che non c'è futuro, voi sapete lo che nel momento in cui pensate che non ci sia speranza e non ci sia futuro, allora là la speranza smette di esistere, il futuro smette di esistere. Ed è per questo motivo che voi andate là fuori, portate a fare vedere le vostre facce e diteglielo a quelli là che il meglio deve ancora venire. Ligabue, Campovolo 2.11. Voilà, donc ce contraste, vous le constaterez de toute façon parmi deux lectures, mes trois lectures, la première et la deuxième, la dernière, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc voilà, donc je vous conseillerais vraiment de faire très attention sur, ne vous prenez aussi pas trop la tête au sens où ne vous mettez pas trop en difficulté. Dès lors que vous aurez maîtrisé l'essentiel de la prononciation, notamment de l'alphabet, le reste viendra avec le temps. Enfin, la deuxième et dernière partie concerne les nombres. Parce que moi, quand j'ai commencé à apprendre la langue italienne, c'était les deux éléments essentiels. La première des choses, c'était l'alphabet. La deuxième, c'était les nombres. Et parce que, naturellement, l'alphabet nous permet de prononcer, et donc les nombres nous permettent de compter. Et comme ces deux sont des éléments fondamentaux, j'ai préféré tout de suite vous présenter les nombres. Alors, je vais prononcer... Bon, je vais les lire, je vais compter jusqu'à 100. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Donc, de 1 jusqu'à 10, vous comprendrez que il y a une différence, hein. Mais à partir de 11, il y a une association c'est associé, hein, les chiffres sont associés, donc il y a 1 plus 0. Bref, à partir de 11, on lit undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, 16, 17, 18, 19, 20. On est à 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37, 38, 39, 39, 40. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. À partir de 20, en réalité de 20 jusqu'à 99, et même c'est très facile, vous comprenez que dès lors que vous connaissez le 20 c'est 20, le reste vous associez simplement le 1, le 2, le 3, le 4 jusqu'à 9, c'est-à-dire 20, à partir de 20, de 20 et de 21, vous lisez 21. Prenons l'exemple de 30. 30. À partir de 31, on lit 31. Prenons 40. 40. À partir de 41, on lit 41. Donc 41.
Prenons 50. Chiquanta. Nous avons dit tout à l'heure que C plus I se lisait chi. Donc, ici, on lit chiquanta. Le Q plus le U et le A et le L se lit chiquanta. Quanta. Donc, chiquanta, donc, cinquantuno. 60, c'est 60. Donc, on dira 61. Le 60, c'est 70. C'est 71. Le 80, on lira 80. Le 81, 81. Le 90, 90. 91, 91. Et le 100, 100. Donc, pareil pour le 22. Hein, on reprend à 20. 20. Et le 22, on dira 22. Donc, le 20 plus 2. Donc, 22. Pareil pour le 3, le 23, 23. Le 24, 24. Le 25, 25. Le 26, 26. Le 27, 27. Le 28, le 28. On enlève le i, on met le o. Donc, lorsqu'on associe donc 20, 20, on enlève le i, on met le o tôt. Ça fait 28. Et puis le 29, on reprend avec le i, 29. Donc, comprenez que lorsque vous connaissez 20, le 20, c'est facile de compter de 20 jusqu'à 29, parce que on retiendra que c'est à partir de 21 qu'on enlève le i de 20, on met directement uno, c'est-à-dire le 1, on fait 21. Et puis, c'est aussi à partir du 28, c'est aussi le 28. Le 28 aussi, on enlève le i, on met directement le o, ça fait 28. Mais pour le reste, on associe mot à mot 20 qui est 20 plus les 1, 2, plus les 2, les 3, les 4. Donc on fait 23, 22, 24, 26, bref. J'ai fait ça un peu en désordre, mais vous comprenez tout de suite. Pareil pour 30, pareil pour 40, 40. Pour 40, pour 50, pour 60. Vous voyez un peu, c'est vraiment très facile à retenir. Donc le plus dur, c'est de retenir d'abord le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Dès lors qu'on compte jusqu'à 10, et puis naturellement, faire un effort aussi au moins jusqu'à 20. Et puis de là, on retiendra que la même manière que l'on a. Que l'on compte, que l'on compte de 20 jusqu'à 29, ce serait pareil que l'on va compter de 30, 31 jusqu'à 39, en remplaçant naturellement 20 pour 30, qui est 30, et puis 40 pour 40, 50 pour ce pareil, 60, 70, etc. Donc, cela dit, j'ai commencé à 17, à 16h20. Disons, à 16h20, oui, je pense que c'est 16h20. Donc, je suis de. J'ai grignoté 10 minutes de plus, puisqu'il est 17h10 ici chez moi. Et je pense que chez vous, il doit être 18h10. Voilà. Donc, ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous ce tout premier cours que j'ai conçu chez ici, Office étudiant. Et à nous revoir le samedi prochain pour un prochain cours. Et donc, merci. Je vous souhaite un excellent week-end pour ce soir et pour demain. Et donc, à nouveau, au revoir à très, très bientôt. Et surtout, notez que la langue italienne, ce qui est formidable, c'est qu'il est intéressant. Parce qu'il n'a que 21 lettres, hein. C'est moins que la langue française. Ensuite, il faut apprendre à bien prononcer les lettres. Voilà. Excellente journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci pour l'attention.